Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici rassemblés ce samedi, veille de cette grande solennité de la Pentecôte. Nous prions spécialement au cours de cette prière mariale pour que l'Esprit Saint accompagne nos catéchumènes vers la grâce du baptême. Nous prions tout spécialement aujourd'hui pour Mine et pour Albanie, nos deux catéchumènes de notre paroisse Sainte-Marguerite, à qui j'aurai la joie de conférer la grâce du baptême, la grâce de la confirmation et de leur donner le corps du Christ pour la première fois demain lors de cette fête de la Pentecôte. Elles attendent depuis maintenant 50 jours. Le Seigneur va les combler, je n'en doute pas, et va les combler de sa grâce pour les remercier de leur patience. Portons-les dans la prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En l'honneur du Père, je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. En l'honneur de son divin Fils, je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. En l'honneur du Saint-Esprit, je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Dans la présente situation dramatique chargée de souffrance et d'angoisse qui frappe le monde entier, nous recourons à toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches, qui sont morts, enterrés, parfois d'une manière qui blesse l'âme. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l'avenir incertain et pour les conséquences sur l'économie et sur le travail. Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse
et que revienne un horizon d'espérance et de paix. Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période d'urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d'autres vies. Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades, ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science pour qu'ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. Assiste les responsables des nations pour qu'ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques, avec clairvoyance et esprit de solidarité. Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d'appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère, avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. Ô Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible pandémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité de son cours normal. Nous nous confions à toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui l'incline vers la terre, Marie, tu fais monter vers lui ta réponse en offrande. Toi qui reçois la paix de Dieu comme une terre la semence, tu laisses prendre corps en toi l'espérance nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.